Adieu. Un sacré paquet de rats.
radiation ici. Faut pas qu'on traîne. J'ai l'impression que le type qui a donné son nom à cet endroit n'avait jamais vu la mer. Mon liquide de refroidissement. Thank you.
bouge plus. Restez où vous êtes. Pas de gestes brusques. Je sais que vous venez de l'Institut. Où est Kellogg, hein? Il va me tomber dessus pendant que vous faites diversion. Ça ne marchera pas. Je ne suis pas bête. Je savais qu'il l'enverrait à mes trousses. Calmez-vous. Kellogg est mort. Mort? Il est... mort. Ne me prenez pas pour un idiot. Il est mort, que vous me croyez ou non. J'avoue que c'est assez difficile à croire. Kellogg était impitoyable. C'est bien pour ça que l'Institut l'a employé toutes ces années pour faire son sale boulot. Je savais qu'il l'enverrait m'éliminer. J'ai essayé de m'y préparer, mais je n'étais même pas sûr de pouvoir m'en sortir. Et donc, vous l'avez tué, hein? Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous avez quitté l'Institut? Je sais que vous travaillez là-bas. Vous savez que je me suis enfui? Mais comment? Non, ça n'a aucune importance. Je n'y retournerai pas. Je ne peux pas. Regardez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, d'abord? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'Institut? Je cherche un moyen d'y entrer. Qu'est-ce que je peux? C'est une blague. Vous voulez entrer dans l'Institut? Vous avez perdu la tête. Admettons que ce soit possible. Même si vous réussissiez à entrer, il vous tuerait avant que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à prendre un risque pareil? Ça n'a pas d'importance. D'accord. Vous savez quoi? Je n'ai même pas envie de savoir. Si vous voulez vous faire tuer, c'est votre problème. Mais je vous préviens, c'est tout ce qui vous attend. Je peux vous aider à y entrer, mais je veux quelque chose en échange. Vous m'aidez, et je vous rendrai l'appareil. Très bien. Si je vous aide, vous allez faire quelque chose pour moi. Avant d'être obligé de m'enfuir, je travaillais sur un sérum capable d'inverser cette mutation. Il pourrait me faire redevenir normal, vous comprenez? Donc si vous allez là-bas, je voudrais que vous le récupériez dans mon ancien bureau et que vous me le rapportiez. Je crois que c'est un marché raisonnable, en échange de mon aide. D'accord? On va discuter des détails. Avant tout, est-ce que vous savez comment les synthétiques entrent et sortent de l'Institut? Ouais. Ils utilisent une sorte de téléporteur. Tiens, tiens. Peu de gens le savent. C'est un secret bien gardé. Je vois que vous n'avez pas manqué de vous renseigner. On appelle ça un relais moléculaire. Je ne comprends pas tout à fait son fonctionnement, mais ça marche.